Bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Très bien. Allez, on commence hein, parce qu'il nous reste pas beaucoup de choses. Il nous reste juste deux séances pour terminer le programme. J'espère donc en ces deux séances pouvoir terminer justement le chapitre 6 qui est très important en informatique. Bien, donc aujourd'hui on va parler de problèmes et donc beaucoup plus de problèmes que d'algorithmes. Donc il y a deux choses qu'il faut bien comprendre et discerner. Il y a la complexité des algorithmes, mais il y a aussi la complexité des problèmes. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler beaucoup plus de complexité de problèmes. Et donc, c'est des choses qui sont très, très importantes en informatique. Mais malheureusement, hein, beaucoup d'informaticiens ne sont pas justement bien préparés à reconnaître les problèmes complexes. Alors, il existe plusieurs types de problèmes, donc là, je ne vais pas trop m'attarder, mais ce qu'on va considérer dans ce chapitre, on va considérer que les problèmes de décision pour lesquels la réponse est oui ou non. Donc, rappelez-vous, on a un peu parlé des problèmes tout à fait au départ, où on a parlé justement des problèmes de décision. Et aussi, on a vu comment les décrire. Alors, on décrit un problème à l'aide d'une paire, donc instance et la question. Et la question pour les problèmes de décision, c'est toujours une question où il s'agit de répondre par oui ou par non. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que les problèmes de décision, il y a les problèmes de recherche de solutions, les problèmes d'optimisation. Et le problème de dénombrement des solutions. Donc, et ces différents problèmes, généralement, ils peuvent avoir la même instance, mais la question est différente à chaque fois. Alors, donc, on est beaucoup plus intéressé dans, enfin, on commence par les problèmes de décision parce que c'est les problèmes, entre guillemets, les plus simples parmi les problèmes complexes. Voilà. Donc, on va répondre par oui ou par non à la question qu'on pose pour un problème de décision. Et donc, c'est comme ça, justement, et si je donne un exemple, une instance, rappelez-vous, l'instance est juste la description de la donnée de manière générale. Et puis, on pose une question. Alors, si on prend l'exemple du circuit hamiltonien, alors on décrit l'instance de cette manière-là. Donc, on a un graphe avec un ensemble de sommets S, un ensemble d'arêtes A. C'est un graphe non orienté. Et la question qu'on pose est la suivante. Existe-t-il un circuit hamiltonien dans G? Donc, c'est tout à fait normal qu'on va répondre par oui ou par non à cette question-là. Alors, les problèmes de recherche de solutions, généralement, c'est ce que je viens de vous dire, c'est la question qui est différente. Il s'agit ici de trouver une ou plusieurs solutions au problème. Donc, l'instance ne change pas. Par contre, la question ici, elle va changer. Donc, c'est une catégorie de problèmes qui va être plus difficile à résoudre. Du moment qu'on cherche une solution. Mais si on trouve une solution ou on ne trouve pas de solution, à ce moment-là, on va pouvoir répondre au problème de décision. C'est pour cela que ce problème est plus difficile à résoudre. Il y a les problèmes d'optimisation, ça concerne beaucoup plus les chercheurs dans le domaine de la recherche. Recherche opérationnelle. Donc, eux, ils s'intéressent
qu'aux problèmes d'optimisation. Alors nous, ce n'est pas que ça, mais souvent les informaticiens, quand ils vont se documenter sur Internet, ils vont beaucoup plus trouver de l'optimisation, alors que nous, on est censé justement s'intéresser à toutes les catégories de problèmes. C'est pour cela qu'on parle de résolution de problèmes. C'est ce que vous faites justement dans le module de résolution de problèmes avec Monsieur Azoun. Et donc, en y on s'intéresse beaucoup plus en informatique, on s'intéresse beaucoup plus à tous ces problèmes-là. Mais bon, on a tendance, beaucoup plus ceux qui ne font pas ce cours, ils ont tendance à travailler sur Internet. Et ce qui est présent sur Internet, c'est beaucoup plus les problèmes d'optimisation. Alors, l'instance est toujours la même, donc si je prends toujours un graphe, et la question est la suivante. Quel est le circuit qui passe une et une seule fois par le nombre maximum de sommets de G? C'est-à-dire que ici, on traite cette question dans le cas où on ne trouve pas de circuit hamiltonien. À ce moment-là, on va s'intéresser à détecter le circuit le plus lent dans le graphe, le circuit hamiltonien le plus lent. Voilà, donc on s'intéresse à cela quand on ne trouve pas de circuit hamiltonien, et donc on va chercher le circuit le plus lent, même s'il n'est pas hamiltonien, mais celui qui se rapproche de la solution optimale. Donc, c'est un problème qui est plus difficile à résoudre, comme on l'avait pour les problèmes de recherche de solutions. Il y a aussi les problèmes de dénombrement. On cherche à dénombrer. Alors, la question ici, quel est le nombre de circuits hamiltoniens du graphe G? On peut avoir plusieurs circuits hamiltoniens dans un graphe. Et donc, ici, on s'intéresse à les énumérer, à trouver le nombre de ces circuits hamiltoniens. Ici, pareil, ainsi on arrive à répondre à cette question, on a 0, 1, 2 ou 3, on va pouvoir répondre au problème de décision qui est par oui ou par non. Si on trouve 0 circuit hamiltonien, ça veut dire que la réponse au problème de décision, c'est non. Si on arrive à trouver plus d'un circuit, à ce moment-là, la réponse est par oui. Donc, soyez juste conscient qu'on traite ici non seulement les problèmes de décision, mais les problèmes de tout genre. Alors, les problèmes de tout genre, pourquoi j'introduis ce chapitre de cette manière-là? Parce qu'à chaque catégorie de problème correspond une complexité des problèmes. Alors, par exemple, pour les problèmes de décision qu'on va voir aujourd'hui, on va parler de problèmes NP complets. Pour les problèmes de recherche de solutions, les problèmes d'optimisation, on va parler de la catégorie des problèmes complexes, c'est les problèmes NP difficiles. Alors, il y en a beaucoup qui font la confusion entre NP difficile et NP complet. On ne peut pas parler de NP difficile si on est concerné par un problème de décision. Donc là, il faut faire vraiment attention et ne pas abuser de cette terminologie. On parle de nombre complet quand on traite les problèmes de dénombrement. Donc, vous voyez ici, il y a beaucoup de ceux qui ne font pas ce cours. Ils font un peu un amalgame entre NP difficile et NP complet. Souvent, c'est ce genre de problème qu'on traite que ce soit pour une thèse de doctorat ou même en entreprise. C'est ces problèmes-là qui restent à résoudre et c'est ces problèmes-là qui sont résolus avec l'intelligence artificielle. Tous les autres problèmes, bon, sont résolus normalement avec l'informatique classique, chose que vous connaissez jusqu'à maintenant. Alors, on va maintenant parler de la théorie de la NP complétude. On ne peut pas tout voir, hein. Il y a toute une science sur la complexité des problèmes. Donc, il y a énormément de choses à voir en ce qui concerne
les problèmes les plus difficiles, nombre complet. Il y a aussi d'autres catégories de problèmes complexes. Bon, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, c'est très délicat, hein, c'est parce que c'est un peu théorique. Donc, je sais que les chercheurs qui travaillent sur la recherche opérationnelle, il y en a pas tous, hein, mais une catégorie parmi eux qui s'intéresse à ces problèmes de complexité. Alors, le développement de la NP complétude, on pourrait dire que c'est récent, hein, il date de 1971, date à laquelle Stephen Cook a démontré que le problème de satisfiabilité, SAT, est un problème NP complet. Donc, on va beaucoup plus travailler sur ce problème-là. Et le problème, c'est quand on démontre que SAT est NP complet, jusqu'à maintenant, on ne sait pas encore répondre à la question, est-ce que la classe NP est différente de la classe P? Et bien sûr, on va définir ce que c'est que la classe NP et ce que c'est que la classe P. Alors, la classe NP. Alors ça, généralement, vous saurez faire. Hein, généralement, les étudiants comprennent très bien cette partie-là. Quoique, justement, c'est réputé de difficile. Il y a beaucoup, même d'enseignants, qui ne vont pas vers cela parce qu'ils pensent que quand on parle de NP completed, c'est quelque chose de très difficile. Ce n'est pas le cas, vous allez voir, hein, c'est quelque chose de simple à assimiler, surtout lorsqu'on est dans le concept de NP. Hein. NP complet, c'est un peu compliqué, mais NP, c'est quelque chose de simple. Par contre, hein, je vous ai dit qu'il y a d'autres complexités qui nécessitent beaucoup de travail et de formation, tout simplement. Alors, on va définir la classe NP, ensuite la classe P, ensuite la classe des problèmes NP complets. Alors, d'abord, on définit ce que c'est qu'un algorithme non déterministe polynomial. C'est de là que vient la dénomination NP complet, NP, pardon, NP non déterministique polynomial. Donc, ça vient de NP. Alors, on dit qu'un algorithme, donc un algorithme est dit non déterministe polynomial s'il est structuré en deux phases. Donc, ce n'est plus les algorithmes que vous avez vus auparavant, mais c'est une autre définition, c'est un autre concept. Alors, dans non déterministe polynomial, nous avons deux phases. La première phase, on va engendrer une solution quelconque par n'importe quel mécanisme. Donc, une solution, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Il ne faut pas aller chercher, passer beaucoup de temps pour chercher une bonne solution. Par contre, là, au pif, on va engendrer une solution. Et puis, dans la deuxième phase, on va juste vérifier la validité de la solution en un temps polynomial. On va voir si la solution qu'on a engendrée dans la première phase, elle est bonne ou mauvaise. Donc, pour cela, pour la deuxième phase, il nous faut un algorithme de validation ou de vérification. On va vérifier que la solution qu'on a engendrée dans la première phase est bonne ou mauvaise, mais il faut que l'algorithme ait une complexité temporelle polynomiale. Alors, que signifie, à quoi servent justement ces algorithmes non déterministes polynomiaux? Ils servent beaucoup plus lorsque le problème est complexe et qu'il admet un nombre de solutions qui est exponentiel. Quand je parle de solutions ici, c'est bonne ou mauvaise. Alors, si c'est un nombre exponentiel, ben, la seule manière de faire, c'est de prendre une de ces solutions-là et de vérifier
qu'elle répond au problème ou pas, mais en un temps polynomial. Donc rien qu'en faisant cela, on va pouvoir placer ce problème dans la classe NP. Donc intuitivement, cela revient à dire qu'on peut vérifier rapidement complexité polynomiale si une solution candidate est une bonne solution. Alors la classe de complexité NP englobe tous les problèmes pour lesquels il existe un algorithme non déterministe polynomial pour les résoudre. Donc, on va prendre des exemples pour mieux justement comprendre ce concept-là. Alors, si on garde toujours l'exemple du circuit hamiltonien, on va essayer justement de concevoir un algorithme non déterministe polynomial pour ce problème, pour justement montrer que le problème du circuit hamiltonien appartient bien à la classe NP. Bien, alors, donc ça c'est l'instance. Donc on a un graphe G avec S et A. Est un ensemble de n sommets et n arêtes. Là, il nous faut le nombre de sommets et le nombre d'arêtes parce que là, on va mesurer l'algorithme de vérification à l'aide de ces deux paramètres. Rappelez-vous, n et m, on a parlé de taille de problème. Alors ici, c'est un cas où la taille s'exprime avec deux paramètres, n le nombre de sommets et m le nombre d'arêtes. Alors, bien sûr qu'il nous faut une structure de données pour représenter le graphe en mémoire. Et donc ici, on va tout simplement considérer la matrice d'adjacence M de G. Alors, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a? On a au niveau des lignes et des colonnes, tout simplement les sommets. Et M de IJ, ça va être égal à 1 si... on a un arc entre I et J, ça va être 0 dans le cas contraire. Alors, regardez comment que ça se passe. Donc, dans la première phase, on va tout simplement engendrer une solution. Quelconque. Alors, une solution quelconque. C'est très simple de la fabriquer. Donc on a n sommets, donc S1, S2 jusqu'à Sn, et vous allez choisir si S1, S2, Sn comme vous voulez. Ça vous fait un circuit. Bien sûr, il faut un circuit avec n sommets, d'accord? Parce que dans la définition des circuits hamiltoniens, il faut que ça passe par tous les sommets. Alors, qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on a engendré ce circuit? Il faut bien sûr, encore une fois, le mettre en mémoire. Donc, il nous faut une structure de données pour ce circuit. Alors, on va tout simplement prendre un vecteur, hein, S, dans lequel le S de I, dans S de I, on va mettre justement S, petit S de I, c'est-à-dire le sommet, I, ici. Voilà. Et puis dans la deuxième phase, on va donc développer un algorithme pour vérifier si est-ce le circuit qu'on a considéré comme solution. On va voir si c'est un circuit hamiltonien ou pas. Donc si c'est une bonne solution ou mauvaise solution. Alors, comment est-ce qu'on va développer cet algorithme-là? C'est pas compliqué, donc on va tout simplement. Alors, l'idée ici, c'est quoi? Si on a S1, S2, Sn qui se trouve dans le vecteur donc S de I, si c'est un circuit hamiltonien, ça veut dire que quand on va de Si vers Sj, hein, si on considère la solution qu'on a engendrée aléatoirement, il y a un arc. Donc, on va vérifier cela au niveau de la matrice d'adjacence. Et donc, on va vérifier si on a un arc entre S1 et S2.
ensuite entre S2, S3, etc. Et dès qu'on trouve qu'on n'a pas un arc entre SI et SI, on s'arrête. Donc, ce n'est pas un circuit hamiltonien. Et donc, si c'est un circuit hamiltonien, on doit aller jusqu'au bout pour justement vérifier qu'on a bien un arc entre SI et SJ, quel que soit I, quel que soit J, de cette solution-là. D'accord? Et donc, c'est comme ça qu'on va écrire donc, cet algorithme. Donc, on va utiliser une variable booléenne hamiltonienne qu'on va mettre à vrai au départ. Et puis, dès qu'on trouve qu'on n'a pas un arc entre SI et SJ, on va mettre cette variable à faux et on sort pour dire qu'on n'a pas de circuit. Ce n'est pas un circuit hamiltonien. Et si, donc c'est une boucle, là, vous voyez bien que c'est une boucle. Et si on arrive jusqu'à la fin et que ça reste booléen, donc c'est un circuit hamiltonien. Alors, initialisation du tableau des occurrences des sommets à zéro. Bien sûr, il faut passer une seule fois par chaque sommet. Donc, il ne faut pas qu'on repasse deux fois par le sommet. Donc, ça, c'est aussi une contrainte à vérifier. Ensuite, donc, c'est une boucle, on vient de. Donc, ça, non, ça, c'est pour mettre à zéro l'occurrence à chaque fois. Le passage par un sommet I. On va le mettre à zéro, c'est-à-dire qu'initialement, on n'est passé par aucun sommet. Ensuite, donc on initialise le I à 1 et on met hamiltonien à vrai. Et c'est là où on va boucler. Donc, tant que I inférieur à 1, donc tant qu'on n'est pas arrivé à la fin du vecteur et hamiltonien, qu'est-ce qu'on va faire? On va bien sûr vérifier la contrainte du passage par un seul vecteur, donc occurrence de S de I. Alors, si on a occurrence de S de I égale à 0, donc on n'est pas encore passé par le sommet I, et que la matrice d'adjacence qui va de S de I vers S de I plus 1 est égale à 1, alors on va mettre l'occurrence à 1, ça veut dire qu'on est déjà passé par I, et on va passer à l'élément suivant. Donc, on va incrémenter le I. Voilà, on va faire donc on va exécuter cette boucle tant que. Et si on sort avec hamiltonien et occurrence de S de 1 égale à 0, alors c'est oui, c'est un circuit hamiltonien. Sinon, on sort avec non, ce n'est pas un circuit hamiltonien. Voilà, donc ça c'est l'algorithme qu'on a développé pour la deuxième phase, rappelez-vous, c'est vérifier si la solution qu'on a engendrée est une bonne solution ou une mauvaise solution. Ce n'est pas encore fini parce qu'il faut mesurer la complexité de cet algorithme et il faut que cette complexité soit polynomiale. Bon, c'est clair ici que le pire cas, ça va être un circuit hamiltonien, c'est-à-dire on va donc avoir un maximum d'itérations et ce maximum d'itérations, c'est n. Et donc la complexité, elle est de l'ordre de n. Et donc on va tout simplement déduire que le problème du circuit hamiltonien appartient bien à la classe NP. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout compliqué pour démontrer qu'un problème appartient à la classe NP. Il suffit d'engendrer une solution quelconque et puis de vérifier à l'aide d'un algorithme que la solution, elle est bonne ou mauvaise, et puis il faut aussi mesurer sa complexité, il faut qu'elle soit polynomiale. Est-ce que c'est compris D'accord. jusque-là? Si vous avez dit oui. Oui, je vous entends. D'accord. Donc, باش Oui. نحلوا هذا البروبليم لازم Et نستوكي كم سيركوي ديالنا مع Là, الماتير كود attendez. به Non, non, mais Zé, ان on n'est pas en train de résoudre le problème. Hein. Il faut que vous soyez conscient de cela. Alors, quand vous allez résoudre ce problème, vous allez trouver une complexité exponentielle. Mais on n'est pas dans ce cas de figure. Ce qu'on est en train de prouver, on est en train de prouver que ce problème est complexe. Dans un premier temps, on montre qu'il appartient à la classe NP,
Et puis, dans un second temps, on va démontrer qu'il appartient à la classe NP complet. Et qui dit NP complet dit que c'est un problème complexe. Ça veut dire que avec l'informatique classique, vous utilisez n'importe quelle machine, vous ne pouvez jamais avoir de réponse lorsque la taille du problème est très grande. C'est-à-dire que lorsque j'ai un graphe avec 100 sommets et bon, disons 70 arêtes, votre PC, votre machine et n'importe quelle machine, hein, ne va jamais pouvoir vous donner de réponse, quel que soit l'algorithme de résolution que vous allez développer. Voilà ce que signifie la classe NP complet. C'est-à-dire que là, c'est pour ça que ce cours il est très important. On ne calcule pas la complexité pour calculer la complexité. On calcule la complexité beaucoup plus pour savoir si un problème donné peut être résolu avec les machines qu'on a actuellement, les machines qui reposent sur l'architecture de Von Neumann. Donc, ces problèmes-là, il y en a beaucoup, hein. Là, je prends le problème du circuit hamiltonien. On va encore considérer un autre problème qui est le problème de satisfiabilité. Mais tous les problèmes qui se posent à l'industrie informatique en ce moment sont des problèmes complexes. On ne peut pas les résoudre avec les problèmes, avec les algorithmes que vous savez développer jusqu'à maintenant. C'est pour cela que on va soit utiliser des algorithmes dits entre guillemets intelligents pour pouvoir les résoudre. Donc là, ce qu'on est en train de voir, c'est comment reconnaître qu'un problème est complexe et comment démontrer que le problème de décision est NP complet. Voilà. Je vais encore revenir à cela par la suite. Donc, je réponds à la question, je ne suis pas en train de résoudre le problème. Je suis en train de montrer que le problème est complexe et qu'il appartient à la classe NP. Là, tous les étudiants, normalement, savent faire ça. Dans tous les examens que j'ai donnés auparavant, dans les années précédentes, quand je pose cette question, les étudiants savent répondre parce qu'ils ont compris ce que c'est que NP. NP complet, c'est un peu compliqué. Mais NP, c'est ça. Mais ils savent, tous les étudiants qui font S2I et qui passent par ce cours, ils savent ce qu'est un problème NP complet. Ils savent démontrer qu'il est NP. Donc, je suis dans ce cas de figure. Bon, je vais revenir à cela par la suite. Donc, on vient de voir la classe NP. Il y a aussi la classe P. La classe P, c'est la classe des problèmes faciles. C'est tous les problèmes que vous savez résoudre et qui ont une complexité polynomiale. Voilà. Alors, la classe P englobe tous les problèmes qui ont un algorithme de résolution dont la complexité est polynomiale. C'est-à-dire, je vous pose un problème, je vous demande de le résoudre. Si vous trouvez un algorithme de résolution qui a une complexité polynomiale, il faut le classer dans la classe P. C'est un problème facile à résoudre. Parce qu'on a pu trouver un algorithme de complexité polynomiale, mais on a trouvé un algorithme de résolution. Alors, il faut faire la différence entre algorithme de résolution et algorithme de validité on vient de voir pour le moment. Alors, ça, c'est simple. Le problème de tri, le problème que vous avez considéré jusqu'à maintenant et qui ont une complexité polynomiale, sans des problèmes donc, qui appartiennent à la classe P. Donc, intuitivement, la classe P contient tous les problèmes appartenant à la classe NP alors, et qui sont faciles à traiter par les moyens de calcul actuels. C'est-à-dire que
Si vous trouvez un algorithme polynomial, là, vous êtes sûr que vous allez pouvoir l'exécuter sur n'importe quelle machine, même lorsque la taille est très grande. Voilà ce que signifie P. Maintenant, quand on compare P à NP, puisque c'est des problèmes qui sont faciles à résoudre, donc on peut toujours trouver, on peut toujours engendrer une solution quelconque et vérifier qu'elle appartient à la classe NP. Donc ceci nous amène à dire que la classe P appartient à la classe NP. Elle est dans NP. Et lorsqu'on n'arrive pas à trouver un algorithme de complexité polynomiale pour résoudre un problème de décision donnée, le problème peut être considéré comme intraitable. C'est à ce moment-là qu'il faut penser à démontrer que le problème est NP complet. Voilà. Donc on a les problèmes P qui sont dans NP, mais il y a d'autres problèmes qui sont dans NP et qui sont difficiles à résoudre. Alors, un exemple de problème P, c'est un problème qui concerne encore les graphes. Donc, j'ai un graphe comme instance avec S et A et W, c'est des poids que je vais mettre au niveau des arêtes. Voilà. Et donc, K, c'est un nombre réel. La question est la suivante. La somme des poids associés aux arêtes est-elle égale à K? Ou est-elle inférieure à K? C'est cette question-là que je pose. Est-ce qu'elle est égale à K? C'est clair que ce problème, il est facile à résoudre parce qu'il suffit de sommer tous les poids qui sont sur les arêtes. Une fois qu'on trouve la somme, on va la comparer à K. Mais ça, c'est un problème qui est d'ordre polynomial. Il est de l'ordre de M, M étant le nombre d'arêtes. Donc, soit M, la matrice d'adjacence associée, on travaille les graphes, rappelez-vous, pour les stocker en mémoire, c'est soit une matrice d'adjacence, on a vu ça hein, quelque part auparavant, ou bien l'histoire des chaînes, des structures, des listes chaînées, d'accord? Et donc, nous, ici, on prend la matrice parce que c'est plus facile. De l'utiliser pour ces cas-là, mais bon, si vous trouvez que elle prend beaucoup de place, là, vous pouvez aussi utiliser les listes chaînées, mais normalement, l'algorithme que vous allez écrire ne change pas beaucoup quand on utilise la matrice d'adjacence ou les listes chaînées. Alors, l'algorithme, bon, il est très simple, hein, c'est celui-là. On commence par mettre somme à 0 et puis on va de IAN et de J, de I plus 1 à N. Donc là, c'est pour justement parcourir toute la matrice d'adjacence, donc pour parcourir toutes les arêtes. Et donc, on va à chaque fois rajouter le M et J, parce que ici, le M et J, on va mettre le poids et non pas 1 ou 0. On va mettre le poids qui est sur l'arête IJ. Alors, si somme elle est égale à K, alors on va afficher oui, sinon on affiche non. Et ça, c'est un algorithme qui résout le problème de la somme des arêtes. C'est clair ici, hein, puisqu'on a deux boucles imbriquées, la complexité est de l'ordre de n au carré, et donc c'est un problème qui appartient à la classe P. D'accord? Voilà, donc ça c'est un exemple de la classe P. Et puis là, on passe au problème NP complet qui sont dans NP, mais qui sont très difficiles à résoudre. Donc la classe des problèmes NP complets englobe les problèmes de décision les plus difficiles de la classe NP. Sa définition s'appuie sur la notion de transformation polynomiale entre deux problèmes. Alors, on dit qu'un problème Pi est NP complet s'il vérifie les deux conditions suivantes. Il faut d'abord montrer que Pi appartient à la classe NP, comme on l'a fait auparavant pour le circuit hamiltonien. Il faut qu'on montre d'abord qu'il est dans NP. Ensuite, dans une deuxième phase, on va montrer que tout problème appartenant à NP peut être réduit au problème Pi qu'on est en train de considérer.
via une transformation polynomiale. Donc là, on va voir des exemples pour illustrer justement cette deuxième phase. Donc c'est comme ça qu'on définit les problèmes NP complets. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les problèmes NP complets sont les problèmes, sont des problèmes qui appartiennent à la classe NP, mais qui sont très difficiles. Donc jusqu'à maintenant, on a vu que dans la classe NP, on a les problèmes P qui sont faciles à résoudre et on a les problèmes NP complets qui sont difficiles à résoudre. Alors, la transformation polynomiale, elle est définie comme suit. Donc, c'est une fonction F, une fonction mathématique, qui transforme toute solution d'un problème PA vers une solution du problème P2. Et vice-versa. Donc ici, S1, c'est la solution qui correspond à Pi1. S2, c'est la solution de Pi2. Et S2, elle est égale à F de S1. Mais en plus, il faut que cette transformation, que F, soit de complexité polynomiale. Donc pour toute solution positive de Pi1 correspond à une solution positive de Pi2 et vice-versa. Et le calcul de F de S1 se fait en un temps polynomial. Voilà, ça c'est la définition de la transformation polynomiale. Et schématiquement parlant, c'est comme ça qu'il faut voir la classe NP. Donc la classe NP, c'est toute cette classe-là qui est en mauve. La classe P, elle appartient à la classe NP, c'est la classe des problèmes qui sont faciles à résoudre. Quand on dit facile, ça veut dire que c'est des algorithmes, c'est des problèmes qui ont des algorithmes polynomiaux. Et donc, tous ces problèmes-là, on peut très bien les exécuter sur nos machines. Par contre, NP complet, c'est des problèmes qui appartiennent à NP, mais qui nous posent des problèmes lorsque leur taille est importante et qu'on n'arrive pas donc à utiliser nos machines pour les exécuter. Alors, tout ceci reste valable tant qu'on considère que NP, la classe NP, est différente de la classe P. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas pu démontrer que NP est différent de P. Alors, c'est une question qui est fondamentale et pour laquelle c'est une des questions parmi les 10 questions les plus difficiles de l'informatique et que les scientifiques ou la personne qui va pouvoir résoudre ce problème va tout simplement être récompensée. Et la récompense, elle est vraiment très, très bonne. Donc, vous pouvez retrouver ça sur Internet, hein, si jamais vous êtes intéressé. Mais il faut savoir que cette question date de 1960 et que jusqu'à maintenant, personne n'a pu résoudre ce problème. Bon, chaque année, on nous promet de résoudre ce problème parce que c'est vrai qu'on avance énormément en matière de technologie, mais on attend toujours justement de régler cette question-là. Mais on a beaucoup plus tendance à croire que NP est différent de P. Donc, on travaille sur cette base-là. Alors, ça, justement, c'est la question qu'on se pose. P est-elle égale à NP? L'un des problèmes les plus importants du domaine de l'informatique fondamentale contemporaine concerne la question, la classe NP est-elle égale à la classe P? La question date de plus de 4 décennies et reste encore sans réponse. La majorité des problèmes, des travaux concernant cette question supposent que les deux classes sont bien distinctes. On a tendance à croire cette option plutôt que son contraire. Donc, on pense que NP est différent de P, même si on n'a pas une preuve de ça. Bien, alors le problème de satisfiabilité, il est très important dans ce domaine parce que c'est le premier problème qui a été démontré NP complet en 1971 et c'est pour cela qu'il est considéré comme l'ancêtre des problèmes NP complets. Donc on va un peu travailler sur ça pour élucider cette question de NP complet.
Le problème de satisfiabilité est un problème de décision qui, étant donné une formule de logique propositionnelle, détermine s'il existe une assignation des variables propositionnelles qui rend la formule satisfiable. Alors, c'est un problème qu'on va reprendre au second semestre et qu'on va justement l'utiliser pour le projet et pour justement l'appliquer, plutôt appliquer les algorithmes dits intelligents sur ça. Donc, il est beaucoup considéré. Pourquoi? Parce qu'on a encore l'impression, du moment qu'on a commencé cet axe de NP-complétude avec SAT, on est presque sûr que la question que je viens de vous énoncer, on va pouvoir la résoudre aussi avec ce problème-là. Alors, SAT fut le premier problème à avoir été démontré comme un problème NP-complet. SAT occupe une place centrale en intelligence artificielle, mais également en théorie de la complexité. Alors, la satisfiabilité des formules logiques fait en sorte qu'on se situe du côté de la résolution de problèmes du raisonnement automatique et dans tout autre axe de l'intelligence artificielle où la logique est nécessaire. C'est tout à fait normal parce que qui dit intelligence dit bon sens, dit logique. Donc c'est pour ça que ce problème, qui est un problème fondamental de la logique, est au centre de l'intelligence artificielle. Et bien entendu, de la théorie de la complexité, puisque c'est à travers ça qu'on a commencé un peu à déchiffrer cette classe des problèmes NP-complets. Alors, on commence Madame, par finir. Oui? Oui? problème santé. La ISS d'ailleurs, elle voit un peu complet. Justement, Il voit le. c'est ça que je vais exposer maintenant. LSS, justement, ça aussi, c'est une bonne question. Alors, pourquoi on a commencé la NP-complétude avec SAT? C'est ce que je viens de vous dire, c'est parce que c'est un problème de logique. Je vais vous le définir. Et c'est grâce à ce problème-là qu'on a commencé à travailler sur les problèmes NP-complets, les problèmes difficiles. C'est à cause de la logique, c'est ce que je viens d'expliquer. C'est à cause de la logique qu'il est central dans l'intelligence artificielle, mais c'est aussi à cause de la logique il est aussi central en théorie de la complexité. Alors là, vous allez probablement comprendre pourquoi. Sinon, vous pouvez me poser votre question bien après. Là, je vais définir le problème SAT. On va un peu justement se familiariser avec SAT. Et puis, bon, je vous ai dit, on va le reprendre au second semestre. Il est très, très important. Pourquoi? Parce qu'on a fait énormément de travaux sur SAT. Et actuellement, il est même utilisé en industrie. Alors, les problèmes que vous, par exemple, les problèmes de transport, les problèmes d'Internet, etc., on les résout avec ce qu'on appelle les solvers SAT. Un solver SAT, c'est tout simplement un algorithme intelligent pour résoudre le problème de satisfiabilité. C'est pour cela que dans un premier temps, je vais définir ce qu'est un problème SAT et puis on va justement voir sa complexité, son appartenance à la classe NP, etc., etc. Voilà. Donc, le problème SAT, il est défini, c'est un problème simple, là, il est défini de cette manière-là. On considère, donc, dans la donnée, dans l'instance, on considère un nombre n de variables booléennes. Donc, vous voyez que je suis dans la logique, dans le booléen. Et puis, on a un ensemble C, M de M clause. Un ensemble de clauses. Alors, C, I, c'est une clause. Et une clause, c'est quoi? C'est une disjonction de littéraux. Un littéral, c'est tout simplement une variable booléenne qui apparaît avec ou sans le connecteur de négation. Voilà, donc on va voir un exemple de problème SAT. Et la question qu'on se pose, rappelez-vous, pour tout problème,
On a une instance, on décrit l'instance et on pose une question sur l'instance. Mais ici, on est dans le problème de décision. Donc, on va poser une question pour laquelle on va répondre par oui ou par non. Alors, la question est la suivante. Existe-t-il une instanciation? Une instanciation, c'est quoi? Bon, ça parle aussi de modèle. C'est un ensemble de valeurs booléennes qu'on va associer aux variables. C'est-à-dire, pour chaque variable, on va lui associer 0 ou 1. Et tel que cette instanciation, donc cette évaluation, elle va permettre d'évaluer toutes les clauses AA, de manière à ce que la conjonction des clauses soit vraie. Alors, on va voir cela de plus près. Un rappel de logique propositionnelle, puisqu'on est dans la logique. Alors, considérons F comme un ensemble un ensemble de clauses satisfaisantes. Hein, j'ai dit que F ou instance I, c'est un ensemble de clauses. Donc, j'ai I, tel que quel que soit C, quelle que soit la clause appartenant à F, j'ai I de C égale à vrai. Donc, un exemple très simple. Ici, j'ai trois clauses. J'ai A ou B, j'ai non A et j'ai B. Et je cherche à savoir si F, hein, c'est cet ensemble de clauses, est satisfiable. C'est très simple ici parce que j'ai que deux variables, j'ai trois clauses, donc je peux dresser la table de vérité pour répondre à la question. Et donc la table de vérité est la suivante. Donc j'ai A, F, F, V, V, F pour false et V pour vrai. B, la même chose, donc FV. Et non A, c'est clair que ça va être le non ici, c'est la négation. Donc, on va prendre la négation de A. VV, vrai, vrai, faux, faux. Le A ou B, donc c'est ça. Hein? Faux ou faux donne faux. Faux ou vrai donne vrai. Vrai ou faux donne vrai. Et vrai, vrai donne vrai. Et puis, si on fait la conjonction des trois clauses, hein, parce qu'on a dit, il faut que la conjonction soit vraie. Alors, si je fais la conjonction de A ou B avec non A et B, ça va nous donner, donc il faut que je regarde le A ou B que je viens de calculer, le non A et le B. Donc, tout ça, la conjonction. Alors, la conjonction, c'est clair, il faut que les trois soient vrais pour avoir le vrai. Donc, si j'ai un seul le F, c'est faux. Donc, faux et vrai et faux, ça donne faux. Vrai et vrai et vrai, ça donne vrai. Faux et vrai, ça donne faux. Vrai et faux et vrai, ça donne faux. Donc, la seule fois où j'ai vrai, c'est la seule fois où j'ai A égale à faux. Et D égale à vrai. Donc, c'est cette instanciation-là qui fait que F est satisfiable. Donc, la réponse est vraie. F est satisfiable. Donc, parce qu'on a trouvé une instanciation A égale à vrai, pardon, A égale à faux, B égale à vrai, qui fait que la conjonction des trois clauses est vraie. Bon, on va voir un autre exemple qu'on exprime beaucoup plus. Alors, de manière formelle, c'est comme ça que j'exprime les clauses. Alors, ici, on a, ça c'est un autre exemple, mais qui est, alors, qui est décrit de manière formelle, disons. Donc, j'ai cinq variables booléennes. X1, X2, X3, X4, X5 sont des variables booléennes. Ça veut dire qu'elles ne peuvent prendre que les valeurs 0 pour faux et 1 vrai. Et grand X, c'est l'ensemble de ces variables-là. Et j'ai grand C, c'est l'ensemble des clauses. Alors ici, j'ai trois clauses. J'ai C1, C2, C3 qui sont définies de cette manière-là. Donc, dans C1, j'ai X2 plus X4 barre plus X5. Le plus ici, c'est la disjonction booléenne. C'est le OU qu'on a vu tout à l'heure. Et le barre, c'est le NaN X4.
C2, c'est x2 plus x4, et C3, c'est x1 bar plus x3 plus x4. Donc l'opérateur plus exprime l'opérateur de disjonction booléenne, et xi bar exprime la négation de la variable xi. Xi bar ici, c'est littéral. Donc vous voyez que ici on a une disjonction de littéraux. Un littéral, c'est soit une variable tout court, soit sa négation. Alors, on peut trouver ici une instanciation, donc une évaluation des variables pour lesquelles j'ai C1 égale à C2 égale à C3 égale à vrai, ou autrement dit, la conjonction de ces trois clauses est égale à 1. Alors, cette instanciation, c'est celle-là. 0 pour x1, 0 pour x2, 0 pour x3, 1 pour x4 et 1 pour x5. Voilà. C'est clair? Si je remplace ces variables ici, je vais avoir C1 qui est égal à 1. C'est 0 plus 0 plus 1 est égal à 1, c'est la disjonction. C2 est égal à 0 ou 1, c'est égal à 1. C3, c'est égal déjà à 1 parce que j'ai 0 bar. Donc c'est égal à 1. Donc cette instanciation nous permet de dire que cette instance SAT est satisfaisante. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on va travailler sur le problème SAT. Sur Internet, on a justement tout un site sur le problème SAT. On a des données justement avec des données SAT. C'est ces données-là qu'on va utiliser au second semestre et qui vont nous permettre d'exécuter justement les algorithmes que vous aurez à développer avec, bien sûr, l'intelligence artificielle. Alors, regardons de près le théorème de Cook. Alors, c'est un théorème qui existe depuis 1971, c'est pas très très vieux. D'ailleurs, c'est à partir de là qu'on est en train, que l'informatique a beaucoup évolué. Et que quand on a su qu'il y a des algorithmes qu'on n'arrive pas à résoudre avec l'informatique classique, on a été chercher d'autres technologies comme l'intelligence artificielle et puis d'autres. On a aussi essayé de modifier l'architecture de von Neumann. Donc on travaille sur les deux, hein, sur et le software. Et alors ici c'est le software. Mais on travaille aussi sur le hardware, donc on essaye de construire des supercalculateurs, des grid computing, etc. Donc il y a énormément de choses qui ont été développées à partir de 1971 grâce à ce théorème-là. Alors, le théorème de Cook, il nous dit tout simplement que le problème de satisfiabilité est NP complet. Ça veut dire qu'il appartient à la classe NP, mais en plus, il est NP complet. Il est dans la classe des problèmes difficiles. Alors, bon, on va avancer un peu, voir qu'il appartient à NP. Et puis, on va s'arrêter là et continuer la semaine prochaine pour aller en profondeur dans ce concept de NP complet. Alors, on a vu tout à l'heure qu'un problème NP complet, c'est un problème d'abord qui appartient à NP. Donc, il faut démontrer que le problème SAT appartient à NP, comme on avait démontré que le problème du circuit hamiltonien appartient à NP. Et puis dans une deuxième phase, c'est cette deuxième phase qui est compliquée en fait. Il faut montrer que tout problème appartenant à NP peut être réduit à SAT via une transformation polynomiale. C'est ça qui est compliqué à faire. Et c'est ça,
justement café cook au départ. C'est très compliqué. Mais après, on passe d'un problème vers un autre, problème NP complet via une transformation polynomiale. Donc, afin de prouver que le problème de satisfiabilité appartient à NP, il faut trouver un algorithme non déterministe. Donc là, je suis à la première phase, hein. On est en train de démontrer que le problème appartient à NP. Donc, il faut trouver un algorithme non déterministe pour engendrer une solution potentielle. AVN. Alors ça c'est très simple hein, parce qu'on a VI égale à 1, donc vous écrivez un algorithme qui va vous engendrer des 0 et des 1 pour ces valeurs-là. Donc c'est très simple, c'est première phase. Ensuite, on va prendre cette ce V-là, cette instanciation-là, et voir si il satisfait, si cette instanciation satisfait l'ensemble des clauses qu'on avait tout à l'heure. Afin de savoir si la solution générée est bonne ou mauvaise, il faut remplacer les clauses dans les clauses, chaque variable par sa valeur d'instanciation, et calculer le résultat. Si la conjonction des valeurs trouvées pour les clauses est égale à 1, alors l'instance est satisfaite, sinon elle est contradictoire. Donc là, il nous faut un algorithme pour faire ce travail-là. Alors, bien sûr, il faut une structure de données. La structure de données pour ça, c'est bon, on peut prendre une matrice. Hein. Donc ici, la structure de données, et vous voyez que à chaque fois qu'on passe à l'écriture d'un algorithme, il faut les structures de données pour justement mettre en mémoire la donnée ou l'instance. Alors, la structure de données utilisée pour représenter l'instance SAT est une matrice de taille m fois m, qu'on va appeler SAT ici. Donc, SAT de IJ est égal à 1 si le JM littéral de la IM clause existe sous forme positive. On va mettre 0 si le JM littéral de la IM clause existe sous forme négative. Et on va mettre moins 1 s'il n'existe pas, tout simplement. Donc, si je reprends l'instance de tout à l'heure, la matrice SAT va être comme ceci. Alors, X1 ici, dans la première clause, alors 1, 2, 3 exprime les trois clauses. C1, C2, C3. Alors, dans C1, X1 n'existe pas, donc on va mettre moins 1. X2 existe sous la forme positive, donc on va mettre 1. X3 n'existe pas, donc ça va être moins 1. X4 existe, mais sous la forme négative, donc on va mettre 0. X5 existe, mais positive, on va mettre 1. Et on va faire la même chose pour C2 et C3. Voilà, donc on obtient la matrice SAT, mais maintenant, il me faut aussi une autre structure de données pour V, l'instance qu'on vient juste d'engendrer. Alors, en entrée, je vais avoir cette matrice SAT. Et l'instance V, l'instanciation V, c'est tout simplement un vecteur, le vecteur des valeurs 0 et 1. Et en sortie, je vais avoir 0 ou non, comme on l'a fait pour le circuit hamiltonien. Alors, ça démarre à peu près de la même manière. Donc, je commence à I égale à 1. I, c'est l'indice de la clause. Et je suppose que c'est satisfiable. Donc, je mets satisfiable qui est un booléen. Je le mets à vrai. D'accord? Alors, ici, j'ai deux booléens. J'ai satisfiable pour toute l'instance et j'ai satclose qui est aussi un booléen. Et j'ai IJ justement pour parcourir les deux
les clauses. Alors, tant que i est inférieur à m, rappelez-vous, m, c'est le nombre de clauses. Et ben, j'ai satisfiable, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer d'abord par parcourir la clause. Donc, je mets j égale à 1, cette clause a faux. Je suppose qu'elle est fausse. Alors, tant que cette clause est faux et que j est inférieur ou égal à n faire, donc je vais regarder si j'ai un littéral qui est avéré. Alors, si sat de ij, si je trouve sat de ij est égal à v de j, à ce moment-là, j'ai cette clause qui est vraie. Alors, si c'est vrai, je sors. Si c'est faux, je vais voir le littéral suivant. Alors, quand je sors, je vais tester cette clause. Si cette clause est vraie, ça veut dire que toute la clause est vraie. À ce moment-là, je vais passer à la clause suivante. Donc, je vais mettre i égale à i plus a. Sinon, si cette clause n'est pas vraie, c'est que toute la conjonction n'est pas vraie. Et donc, je sors avec satisfiable égale à faux. Et je sors. Donc, si c'est satisfiable, je vais écrire oui, sinon c'est faux. Alors, maintenant, ce n'est pas terminé parce que ça, c'est l'algorithme. Il faut démontrer que cet algorithme a une complexité polynomiale. Alors, pour mesurer la complexité, il faut trouver le cas, le pire cas. Alors, quand est-ce que on exécute le plus longtemps possible ces deux, parce qu'on a deux boucles imbriquées. Ici, c'est lorsqu'on arrive à M, M close, avec satisfiable égal à vrai, et ici, lorsqu'on arrive à N. Donc, au total, c'est 1 fois N. Et ça correspond, le pire cas, ça correspond au cas où l'instance est satisfiable. C'est-à-dire que toutes les clauses sont à vrai, et donc tout le système est à vrai. Alors, le pire cas de l'algorithme de vérification correspond à la situation où les deux boucles imbriquées s'exécutent entièrement. Donc, la complexité de l'algorithme est donc de l'ordre 1 fois m, parce qu'on a deux boucles imbriquées. Nous avons écrit un algorithme non déterministe pour engendrer une solution au problème SAT, ainsi qu'un algorithme de vérification de solution qui s'exécute en un temps polynomial. On peut donc déduire que SAT appartient à la classe NP. Voilà. Pour le moment, on a SAT qui appartient à la classe NP. Donc, la prochaine fois, on va voir que SAT appartient à la classe NP complet. Et on va aussi voir un autre exemple de problème NP complet. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, donc, on va continuer avec cette histoire de problème NP complet. Alors, si vous avez des questions, je peux y répondre maintenant sur ce qu'on vient de voir, bien entendu. Et la prochaine fois, donc, ça sera normalement présentiel. Donc, on va continuer avec cette histoire de problème NP complet. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vous conseille quand même de... Oui. Oui, je vous entends. Pour la transformation. Adieu, transformation. Comment? Hein? Il y a la transformation. Oui, alors ça, c'est quelque chose qu'on va voir la prochaine fois. La transformation polynôme. Ouais, pour le moment, on s'est arrêté à SAT appartient à NP. La prochaine fois, justement, on va parler de... C'est ça qui manque, qu'on n'a pas encore vu. Pour parler de NP complet, il faut, vous avez très bien vu, hein, vous avez vu juste, il faut qu'on travaille cette histoire de transformation polynomiale pour dire que le problème est NP complet. C'est quelque chose qu'on va voir la prochaine fois. Oui. Madame, la semaine prochaine, j'ai mon crush, mercredi. Où est-ce qu'il y a mercredi la semaine prochaine? Normalement, il y a une neige. Je ne sais pas d'un crush. Ah, il y a une neige, c'est le 12. Alors aujourd'hui, oui, vous avez juste, oui, vous avez dit. Alors, oui, c'est comme vous voulez, hein, donc on ne fait pas cours, je vous fais un cours en ligne. Ok.
décidez entre vous. Et puis, le représentant, donc le délégué, faut qu'il me dise quel jour vous voulez qu'on fasse ce cours-là. Sinon, ben, si vous pensez que c'est férié et qu'on ne fait pas cours, moi, ça ne me dérange pas. C'est comme vous voulez. D'accord? Voilà, sur cela, on va donc se quitter. Et puis, de toute manière, chose qui est sûre, c'est que vous allez avoir au moins une question sur cette question de NP. Hein, démontrer qu'un problème est NP. Parce que c'est très important. Il y a un enchaînement dans le S2I, je le dis plusieurs fois. Là, on a vu la difficulté de certains problèmes. Et c'est pour cela qu'au S2, on va pouvoir les résoudre. On ne va pas les laisser comme ça en l'air, ces problèmes complexes. Donc, vous voyez qu'il y a un enchaînement dans ce programme. Il est tellement bien fait, hein, qu'on passe d'un semestre à un autre. Il y a un enchaînement. Il y a le suivant. D'accord? Voilà, donc on va se quitter et donc à la prochaine fois, ce sera soit un cours en ligne, soit l'examen. L'examen est prévu le 19 ou là, le 22, je ne me rappelle plus. Bon, c'est soit le... Parce que j'ai les M1 et les M2, donc j'ai le 19 et le 22. Voilà, je crois que c'est le 22 pour vous. Allez, au revoir et à bientôt.